Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une petite vidéo sur FX. On est parti pour la découverte de la map All Stream Farm de Black Sheep qui nous l'a remis une nouvelle fois. Donc j'ai essayé deux parties différentes, donc une en normal, une en facile. Il se trouve qu'en normal on commence avec rien mais 1 500 000 boules et en facile on commence avec du matériel mais avec 100 000 boulasses. Donc du coup au garage on a le fan, on a le 7810, on a la moisse batte d'œuf, une chargeuse avant, le pick-up, la classe, bombarde de coupe qui va avec la d'œuf, la charrue 3 à fer, un culti combiné, c'est combien celui-là, je ne me rappelle plus, c'est 3 mètres, un godet, une remorque de barre de coupe, un chariot plutôt, et deux masses. Donc voilà avec quoi on commence. On commence également avec du coup la ferme, le champ 1 et le champ 2. Et le reste de la map que vous pouvez revendre pour 0€ ou acheter pour 0€. Alors la map, heureusement, et je suis assez satisfait et très content même. Vous vous rappelez, alors je vous en ai déjà parlé plusieurs reprises, quand il nous avait affiché le PDA sur sa page Facebook, où il avait mis des couleurs flashy, comme quoi les endroits où il rallongeait, enfin voilà, il avait mis vraiment flashy. En fait, il avait fait des blocs, et les couleurs flashy mettaient des énormes pavés. Je me suis dit, il a quand même pas mis des gros champs sur une petite map comme ça. Et du coup, il s'avère que voilà, les champs sont de taille correcte, donc c'est plutôt sympa. Il est resté dans le thème de la map, au lieu de mettre des gros pâtés. Donc c'est plutôt cool, je suis assez rassuré là-dessus. J'ai vu qu'il y avait plusieurs usines, dont les produits laitiers, on a le filature, le traitement de raisin. Là derrière, il y en a une peut-être. Atelier de tailleur. Il nous a mis le moulin de canne à sucre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La scierie, la menuiserie, ok. Ici, on a le moulin à grains. Et je crois, si je dis pas d'ânerie, que la boulangerie. Et je crois que c'est tout. On a le chouchou aussi, donc Louis Train. Ça c'est Hortemburg. Louis Train, je sais plus où c'est là, je crois. Louis Train, c'est là et ici aussi. Et donc du coup, le chouchou fait quand même un assez gros trajet. Et donc il nous en a remis un là. Ok, donc voilà pour ça. Donc pour la ferme, alors je découvre. Hein, j'ai pas trop fait le tour avant. J'étais un peu perdu tout à l'heure. Donc le choix est juste là. Il y en a qui m'ont dit, plusieurs qui m'ont dit qu'il a refait comme le 17. Et je vous avoue que je n'ai plus aucun souvenir de la map sur FS17. Donc je ne vais pas vous dire oui ou non, j'en sais rien du tout. Donc on a la fameuse entrée, ça c'est bien le truc de la All Stream. Ici on a le corps de ferme qu'on connaissait déjà avant, l'atelier. Qu'est-ce qu'il nous a mis là? Les poupoules. Ok, donc la fameuse entrée comme d'habitude. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Est-ce qu'on peut rentrer par là? On peut rentrer par là, ok. Juste pour vérifier. Ici, on a un bâtiment avec, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, les moutons. Ok. Donc, l'endroit pour mettre la bouffe, pas de souci. Ici, on a certainement la laine qui spawn. Je suppose, alors je vais essayer d'en acheter un, c'est où le trigger d'achat, bordel de bite? C'est où? Ah, ils ont une mare pour boire. Oh, très bien. Très bien, j'aime ça. Un petit pré, une mare pour boire, des canons. Est-ce qu'il nous a calé le fumier? Je pense pas. Bon, de base, on l'a pas, donc j'ai envie de te dire, pas grave. Ok. Laine et herbe, c'est tout. Il faudrait vraiment que d'origine, du jeu, hein, je parle, hein, pas sur la map, ils nous mettent les moutons, ils puissent chier et pisser quand même, hein, parce que c'est quand même très très grave. Et qu'on puisse aussi les pailler, ça pourrait être cool. Mais bon, en plus, là, il y en a de la paille. Donc voilà, ok, petit terrain assez sympa, petit bâtiment assez sympa pour les moutons. J'aime bien. Ici, on a la partie céréales. Donc la grille, les silos. Ok. De ce côté-là, on a du stockage de matériel. Ici, on a du stockage de matériel. Alors, attendez, je suis du PR. Qu'est-ce que c'est ici? Les cochons. Les cochons, ok, les cochons. Donc on a le trigger d'achat, le trigger de bouffe. Qu'est-ce que c'est cet outil? Alors attendez, je vais me mettre depuis dehors. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est pour la paille ça?
Attendez, je réfléchis. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'il nous dit? Trigger de bouffe. Il y a un trigger là, je suppose que c'est la paille ici. Hein. Alors il faut rentrer dans le bâtiment pour faire la paille? Quoique, il y a double trigger ici. Ah, ça faut tester. J'ai pas envie de vous dire d'annerie. Alors pour ceux qui ont déjà testé, ils vont me dire oui, c'est comme ça. Effectivement, vous le saurez mieux que moi. Mais pour ceux qui n'auraient pas testé, je vais pas vous dire d'annerie. Donc du coup, je vais pas me prononcer. Le terrain des cochons, il est tout petit. Bon, après, tu me diras. Logiquement, IRL, j'ai jamais vu des cochons élevés en plein air dans le pré. Donc, c'est possible, j'en sais rien du tout. J'ai jamais vu ça. Mais en toute logique, normalement, ils sont enfermés en bâtiment. Ou alors, ils ont une petite aire de promenade, mais guère plus. Et du coup, apparemment, les cochons seraient curables. Ah, ça correspondrait peut-être à ça, le trigger. C'est vrai qu'on m'a dit que les cochons étaient curables. Ok. Bâtiment assez sympa aussi. J'aime bien. De ce côté-là, on a un bâtiment de stockage. Et ici, bah pareil, on a du stockage ici, je suppose, ouais. Stockage. Là, pareil, là, on a pour mettre la machine. Ici, c'est le silo d'ensilage, je suppose. Silo d'ensilage. Ok, gros silo. Derrière, là, je reconnais, par contre. Pareil, un petit appentis, si tu veux mettre du bordel. Et derrière, il nous a laissé de quoi faire. Je vais quand même vérifier de quoi placer une usine ou une connerie ou j'en sais rien, moi, un autre bâtiment. Bon, des bâtiments, on en a déjà un peu partout. Mais c'est plutôt pas mal. La fosse alizée, j'ai pas regardé pour les cochons, il faudra que je regarde après. La fosse alizée des vaches. Le bâtiment des vaches, ok. Le robot de traite. Trigger de bouffe. Donc là-bas, ça doit être le trigger pour curer. Donc je suppose qu'on paille depuis ici. J'ai quoi? J'ai qu'un trigger là. J'ai un trigger de bouffe. Est-ce qu'on paille pareil? Est-ce qu'il faut rentrer là-bas dedans pour pailler aussi peut-être? Peut-être, parce que là, caillebotis, machin. Donc ça c'est le prix, on verra après. Pareil, pour pailler, est-ce qu'il faut re-rentrer dans le bâtiment ou pas? Là, ça a pas l'air de s'ouvrir. Ah merde, il était de l'autre côté, le con. Ah, mais on a un apprenti qui est relié avec. Ok. Alors, attendez. Ah, les deux s'ouvrent à la fois. Ok. Bon, alors, ça doit être par là et tu dois pailler ici, je pense. Je pense. Ok. Et derrière, on a du terrain, pas mal du tout. Il y a un gros terrain, même. Trigger d'achat est ici. Est-ce qu'il nous a fait une petite mare histoire de pour les vaches aussi? Non, pas de petite mare, malheureusement. Malheureusement. Truc que je trouve dommage déjà d'origine sur Farming 22, c'est que tu peux pas donner à boire aux animaux. Bon, ils boivent logiquement parce qu'ils ont une auge. Là, il y a la fumière ici d'ailleurs. Voilà, les auges sont là. Mais tu ne donnes plus à boire, je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, pourquoi pas. Et donc, du coup, l'apprenti est normalement, on a fait. Globalement, le tour. Il y a des bâtiments un peu partout. Et du coup, la fosse alizée des grues. J'ai dû passer à côté, je ne l'ai pas vue. Elle est là, ok. C'est ici la fosse alizée des grues. Ok. Pas mal le cours de ferme, j'aime ce. J'aime ce. C'est vrai que même si j'ai passé très peu de temps sur le 19 et le 17, c'est trop loin pour moi parce que je ne me rappelle plus comment était la ferme, c'est vrai que bon. L'entrée, l'arrière du bâtiment ici, le silo d'ensilage ici, c'est vrai que tu reconnais un petit peu quand même le corps de ferme qui était déjà présent avant, mais il a l'air d'y avoir apporté quelques modifs et j'aime bien. J'aime bien. Ok, donc ça c'est pour les animaux. Normalement, à ce qu'on m'a dit, il y a des fermes un petit peu partout, tu peux stocker du matériel, donc c'est pas le problème. Déjà au truc à raisin, j'ai vu qu'il y avait moyen. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer là-haut, donc le chouchou, on s'en fout. L'élévateur à grains. Gros point de vente apparemment. Ok, grille couverte. Grille couverte, il nous a mis une icône pour nous dire que c'est ici. Ah, une grosse usine. Panneau au-dessus. Un peu de déco avec deux bagnoles. Manque peut-être à peine de déco sur le côté comme ça. Ça aurait pu être sympa. La peseuse dans le milieu. Et du coup, est-ce qu'il a mis des horaires d'ouverture? Non, il n'y a pas d'horaire d'ouverture. On peut fermer ça ou pas? Non. Ok, j'ai un peu perdu au milieu. Ok, bon, le point de vente est pas mal. J'aime bien. Bon, peut-être, comme je l'ai dit, un peu de décoration sur le côté comme ça. Mais globalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un pont assez joli là.
Mais de toute façon, à la fin, on fera toujours notre petit tour habituel avec le pick-up. Ah, j'allais dire, il y a de la flotte en dessous, mais mes couilles, il n'y a pas de flotte, c'est une route. En tout cas, c'est joli. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok, on va descendre ici, donc au produit laitier, qui est pour le coup une usine, si je dis pas d'annerie, voilà. Oh, cool ça. C'est très propre, j'aime ça. On peut passer à travers. J'allais dire, on peut passer à travers les carreaux, mais il n'y en a pas beaucoup. Ok. Alors, où est-ce qu'on achète cette bête? Elle est où l'icône? Elle est là. Alors si toutefois on l'achète, vas-y, on s'en fout, on achète. Si toutefois on l'achète, est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur? Juste pour voir. On peut pas rentrer. Dommage. J'aurais bien voulu aller voir l'intérieur. Et voir ici que je passe. On peut passer. On peut pas passer. Mes couilles. En tout cas, ça, je trouve ça très joli. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est vraiment cool. Et puis bon, bah le paysage de la map est toujours aussi bien, mais ce truc là je trouve ça vraiment cool. Ok, ensuite on a le restaurant. Alors il y a deux triggers l'un à côté de l'autre, donc ça c'est quoi? L'atelier de tailleur. Ok, le restaurant San Giovanni, donc un petit restaurant. Tu vis d'ici par contre. Alors qu'est-ce qu'on pourrait y amener au restaurant? Viens voir, j'en regarde. On va quand même pas amener du blé. Ah, du genre, je dirais plus restaurant. Voilà, donc les patates. Alors le maïs, je vois pas trop. Attendez, je me suis pas trompé, hein, c'est bien restaurant qu'on est, que je dise pas de la merde. Ouais, restaurant. Alors le maïs, je vois pas trop d'intérêt pour le coup. Mais pourquoi pas. Bon, ici, logiquement, restaurant raisin, on peut. Bon, il est resté assez cohérent, mis à part pour le maïs. Les betteraves. Non, betteraves coupées, non. Ça, non. Canne à sucre, on s'en fout. Les œufs, ouais, logique. Le lait. Ah, j'aurais dit le lait aussi, tu vois. Bon, l'ensilage, non. Je vérifie quand même s'il a été cohérent dans tout ça. La farine. Les gâteaux. Le beurre. Le fromage. Ouais, il est assez cohérent là-dedans. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et en face, on a l'atelier tailleur. Pareil qu'assez sympa aussi, je trouve. Et du coup. Les palettes. Ah, oh, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait faire le bâtard et que les palettes, il allait les mettre là. Donc, du coup, tu te débrouilles, quoi. En gros, tu fais comme tu peux. T'enfiles là et tu laisses la remorque par là autour et tu te débrouilleras après. Ok. Eh ben, c'est sympa ce qu'il nous a fait. Un traitement du raisin. Donc, comme je n'y connais absolument rien, ça a l'air d'être celle d'origine. Je dirais. Donc, je ne veux pas faire de com' dessus. Hein. De ce côté-là, le spinnerie. Le spinnerie. Donc, ça, c'est pour le tissu. Voilà. Et ça doit pas être celle d'origine, je crois pas. Le trigger pour récupérer les palettes. Et l'entrée, elle est où? Parce que j'ai sauté les murets comme un sac, moi. L'entrée, elle est là. Ok. Ah, on a des tonneaux. Belle déco. Des petits tonneaux. Alors, pas des tonneaux pour mettre du vin, bien sûr. Pas ceux-là, en tout cas. Plutôt pour mettre de l'huile, ceux-là. Et l'entrée est là. Oula, faut pas venir avec trop gros. Hein. Ah, ça c'est bien ça. Ça t'oblige à venir avec du petit. À part s'il n'y a pas de collision. Si, il y a de la collision. Même un petit panneau devant la porte. Ça c'est bien. C'est très bien même. J'aime ce. J'aime ça. T'étais pas obligé d'enregistrer. J'avais pas besoin de ça. Ici, donc le railroad silo. Donc ça c'est pour le chouchou. Je suppose. Ça c'est pour louer le train. Ouais, en effet, c'est ça. Alors je vais voir devant la porte quand même la gueule que ça. La balance qu'elle a. Qu'est-ce qu'on achète ici? De la chaux? Ah non, tu peux recharger, my bad, j'ai rien dit. Excusez-moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok. Donc du coup la balance. Ah, ça a de la gueule quand même. Hein. Ça a de la gueule quand même. Ok, c'est pas mal. Pas mal, c'est pas mal. Le marché fermier. Donc là, moi j'y suis passé tout à l'heure pour voir vite fait. Et donc du coup, là par contre, pour le coup, je trouve ça vraiment très sobre. Tu vois, il n'y a pas de déco. Ah, tu vois, rien qu'un gros panneau marché fermier avec une connerie devant la porte, un stand avec de la déco, ça aurait pu être sympa. Donc ça reste dans le simple. Et c'est là que j'ai vu ça tout à l'heure hors ligne.
Il se trouve que. Ok, t'as réécrit le souvenir de raisin. Et c'est ça que j'avais pas vu moi tout à l'heure. En fait, t'as des bâtiments ici. T'en as un là. Et un là. Avec du stockage. Voilà. C'est ça qu'on me parlait tout à l'heure des stockages un peu partout. Il y en a même là-bas, je crois bien. Donc du coup, on revient au raisin. Et ici, ça donne quoi? Je peux pas ouvrir. Ah, c'est la baise. Merde. Et alors, si je fais le tour? Ah, on peut pas non plus. Mais tu vas lâcher ta chiasse? C'est quoi ça? Center Horse. Alors, effectivement, les chevaux, on les a pas de base. Ah, j'ai plus d'argent, c'est de votre faute, ça. Ok, donc de base, on n'a pas ça. Et si j'achète? Mais c'est pas vrai, Roger. Tu vas cliquer où il faut. Il y a les chevaux, ok. Par contre, j'avais un problème pour ouvrir la porte. Terrible. Et donc, du coup, si t'as passé le bâtiment, mais tu peux encore stocker du bordel aux chevaux, puisque là, on a un bâtiment de stockage, un deuxième. Ici, on a encore un endroit pour stocker du bordel. Encore là, et ici, on a les chevaux. Tu vois, ça, c'est bien. Vous vous rappelez, sur le 19, on voyait souvent le bâtiment des chevaux d'origine. Même quasiment tout le temps. Tu vois, bah, rien que là, ça change déjà un petit peu. Alors, certes, c'est pas. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas un truc de ouf et tout. Mais ça fait quand même des boxes à chevaux. Et je trouve ça quand même bien sympa. Et donc, du coup, de ce côté-là, on peut curer les chevaux? Apparemment? Enfin, apparemment, je dis ça, mais j'en ai absolument pas la moindre idée. Mais il y a une fumière. Là, ils ont un parc là derrière. Ils rentrent là. Ok. Ok. Ah, ils ont un assez gros parc derrière aussi. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. J'aime ce. Ok. Le moulin de canne à sucre. Je réfléchis. C'est celui d'origine ou pas, celui-là? Moi j'aurais dit oui, mais pas l'écriture là. Je ne sais plus. Incroyable, j'ai pas de tête. Et on vide ici. Bonne idée. D'avoir caché cette partie-là, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et donc du coup ici, on a une balance qui nous amène à un BGA. Et il n'est pas affiché sur ma map, donc je suppose qu'il faut l'acheter aussi. J'ai pas de thune, mais je suppose qu'il faut l'acheter aussi. Ok, et le silo d'ensilage serait ici. Les silos d'ensilage sont ici. Ok. Et donc du coup. Ah, je vais vérifier quand même. Je me demande si c'est achetable ou pas. Heureusement qu'on a de la thune comme ça, parce que tout le monde serait de la merde. Hop, hip, la main dans le slip. Ok. Donc si ça a l'air d'être comme ça. Ouais, c'est ça. Donc là maintenant c'est à nous, monseigneur. C'est à nous, c'est à nous. Ok, donc c'est achetable. Donc ici tu mets quoi? Un silage, lisier, fumier, betterave sucrée coupée. Ok. Ok. En tout cas, bah là c'est pareil. Je trouve assez sympa dans le sens où ça se fait sur plusieurs étages. Alors certes, pour amener le maïs de là à là, vous allez me dire, ouais, mais c'est chiant parce qu'il faut reculer et repartir là ou alors prendre un tapis. Ouais, mais ça change de l'habitude où tu as un gros plâtre qui est posé là au milieu, un gros paquet là, et puis ça fait un truc giga énorme et tu vois les mêmes trucs partout sur toutes les maps. Donc ça, c'est plutôt bien. Ici, on a même un bâtiment de stockage avec. Et du coup, ici en bas, on ressort là, il y a la peseuse ici. Ok, bah moi j'aime bien. Très bien fait, je me suis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la chaufferie biomasse. Donc copeaux de bois, je suppose. Effectivement, ici. T'as dû oublier le tas de copeaux de bois ici, peut-être. C'est quoi cette trigger pour vendre le bois? Il est où le trigger là? Parce que je le vois pas. On pose au même endroit, peut-être. Alors attendez, j'ai peut-être dit de la merde alors. Chaufferie biomasse. Attendez. Copeaux de bois, c'est où? Copeaux de bois. Je suis allé trop loin, je crois. Copeaux de bois, copeaux de bois, copeaux de bois, copeaux de bois. Là. Chaufferie biomasse. Ok, donc si tu le vends là. Et donc, du coup, le tas de bois entier.
Ce serait là. Non, même pas, ça c'est le trigger de l'usine, ça. Ou alors au même endroit, peut-être. Là au fond. Possible. Possible, possible. Ok. Ensuite, ici, on a de la déco. Ça, je suppose que c'est une station chaud. Alors, on a le broyeur de débris et la station de chaud. Le broyeur de débris, je suis dessus. Il est là. Ok. Et la station de chaud à côté. Ok, il a mis trois trucs au même endroit. Pourquoi pas? Moi, ça me gêne pas plus que ça. Et il y a la route pour descendre et la route de l'autre côté pour monter. Et on se tire ici. Ok. Alors, est-ce qu'il y a. La voiture, c'était pas une de Dush? J'ai pas fait attention, mais. Ça m'a perturbé. On verra bien après quand on fera le tour. Ok, c'est pas mal. Bon, bon peut-être à peine de déco sur le dessus. Un petit panneau, une connerie. Mais globalement, c'est cool. Ici, on a la scierie. Donc, scierie qu'on peut acheter. Bien sûr. Le tas de copeaux. Ensuite, alors attendez, parce qu'on a trois trucs à la fois. On a la scierie, ici on a le menuiserie et le louer train. Donc le louer train, on s'en fiche un peu. Alors ici on charge, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ah, je vais finir par l'acheter quand même, j'ai pas de sous. Ah, parce qu'on n'a encore pas vu ça sur la map de base, donc je ne sais même pas à quel endroit on place ceci, machin. Donc je vais quand même l'acheter dans le doute. On y amène quoi du coup? Production active, bois. Alors, bois, ça nous sort des planches et du copeau de bois. Ok, donc là, on recharge le copeau de bois. Et ici, on décharge le bruit. Et on a le machin qui est là. Parler, mais pour vendre, mais logiquement, je ne veux pas vendre. Ici, on a encore autre chose. Les planches, du coup, qui vont sortir là. Et dans celle-là, c'est quoi? Oh, je suis du père. On n'a pas vu ça sur votre map encore. Je suis un peu du père. Ici, c'est quoi alors? Ici, c'est la menuiserie. Eh ben c'est là alors qu'on amène. Qu'est-ce que j'ai? Oh, il y a un petit problème ici. Ça, c'est pour le train, on s'en fout. Il y a un petit problème ici. Ou alors, ça a tout acheté le pâté? Ouais, ça a tout acheté. Ah non, je l'ai pas acheté. Oh là là, cafouillage. My bad. Ça doit être de ma faute, je suppose. C'est pas la faute de la map. Mais je trouve pas ça très compréhensif dans le sens où je l'ai pas fait encore. Donc. Ok, alors attendez, on recommence. Donc. Ah oui, on a deux trucs différents. On a mobilier bois et mobilier planche. Ok, j'ai rien dit. Donc là, moi, je suis dans mobilier bois, ça sort des planches. Donc là, on est là. Donc. Ah, faut amener du bois et des planches et il sortira du mobilier et des copeaux de bois. Ok. Et dans l'autre, faut amener du bois, ce qui va te sortir des planches. Si je dis pas d'ânerie, je ne sais plus où je suis, ma vie. Ici, faut ramener du bois et il te sort des planches et des copeaux de bois. Ok. En tout cas, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien, je trouve ça assez sympa. Mais c'est moi qui ai cafouillé parce que, étant donné que je ne l'ai pas fait encore, eh bien, je ne le savais point. Faire un peu le tour quand même, il y a des tas de planches un peu partout, histoire de faire de la déco. Ah franchement c'est propre. J'aime bien ce. Ok, et donc du coup il nous reste la zone là-bas, donc le louer train, on enfin le haut, le tambour, on s'en fout. Ici on a la station service. Ok, assez simple, ça me va. Ici on a le louer train, on s'en fout, donc là on a le moulin à grains. Alors bien sûr pour la farine. Donc tu vides là, tu récupères ici je suppose. Ok. Ensuite, en dessous, on a deux négociants bétail. Donc, on achète ici, je suppose. Voilà. Et on revend ici. Ok. Il y a un panneau devant la porte. Gros bâtiment, quand même. Il y a des dodos partout. Et donc, du coup, ici, on a l'endroit où on charge et on décharge les animaux. Celui-là, on le connaît. C'est assez gros. Ok. Alors, je suppose que là, cette fois-ci, on a fait le tour, par contre. De tout ce qui était point de vente, usine, machin. Ok.
On va faire un petit tour de voiture. Je l'ai loupé. On va faire un petit tour de voiture. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. C'est un détail. Alors, je tenterai hors ligne, hein, si, enfin, si on vient à venir dessus. Mais franchement, moi, ça me plaît. Il faudrait voir ce que ça donne pour Chris et Mackey. Mais moi, ça me plaît bien jusqu'à présent. Je me verrais bien venir dessus. Mais ça, ce sera après la N Creek, parce que je rappelle que la N Creek, on n'a pas fini. Ok, ce qu'on va faire, c'est que... Et du coup, pour en finir avec ce que je disais, essayer de passer vers les vaches... vers les vaches en mode vue intérieure pour voir. Ok, donc ça, ça s'ouvre. C'est encore du stockage, hein. Effectivement, vous me l'aviez dit en live hier soir. Enfin, plutôt ce soir, moi, quand je tourne la vidéo. Mais en effet, il y a du stockage un peu partout. Donc, moi qui avais peur de manquer un peu de stockage, il y en a un peu partout. C'est vallonné, j'aime bien. Il y a l'air d'avoir du bois, pas mal de bois ici. Donc pareil, bois, on n'a pas testé, donc j'ai encore pas mon ressenti à vous donner dessus. Ici, on a le chouchou qui vient, ok. Putain, c'est joli. Il y a de l'eau. Les petites buttes sur le côté, comme ça. Ah, il a fait de l'eau. Oula, oula. Il est culbuté, tiens. Pas très très bon, ça. Ah ben, ça commence bien. Je peux plus bouger, mais t'es bien. C'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave, je vais en relouer une deuxième. Il a fait de l'eau, là. Des petites taches d'eau. Eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, attendez, parce que là, ça nous fait une place en plus à acheter, si on veut. Ça nous fait une place en plus à acheter. Il a changé l'herbe aussi? Non. C'est juste sur le bas-côté des champs. Ici, c'est toujours la même texture. Ok. Ok, ok. Je vais relouer une auto, hein, parce que bien entendu, il a fallu que je fasse le guignolo. Comme d'habitude, moi je vais louer celle-là. Parce qu'il y a mon klaxon dessus. Et du coup, on se retrouve à cet endroit-là. Okay. Alors, le matériel spawn ici, au fond du truc. Il y avait quand même assez de place pour le faire spawn devant, non? Vous en pensez quoi? L'atelier, j'avais même pas vu tout à l'heure. Je n'avais même pas vu. Alors, je sais pas où je me dirige, mais je m'y dirige. Alors, on va se calmer. Hein. On va pas refaire la même connerie, peut-être. Ça, c'est sympa. Bon, je sais pas, je me promène, je vais voir. Hein. Non, bah, c'est bien sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'avais émis beaucoup de réserves de base parce que, vous savez, quand j'avais vu le fameux PDA, la fameuse photo sur FB, j'avais un peu peur, mais je suis totalement rassuré, la map me plaît bien. La map, elle me plaît bien. Il a changé de texture aussi de céréales. Peut-être, j'en sais rien. Celle-là, c'est bizarre pour le tournoi. Pour le tourne-bol, là. Qu'est-ce que c'est, cet outil? Ah, du coton. Mais il a pas la gueule comme ça, normalement, le coton. Il a pas cette gueule-là, si je dis pas d'ânerie. Donc si, il a changé des textures. Il y a de l'eau, un peu, au bord des chemins. Texture de semis, ça a pas dû changer, je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a, là, en bas, là? De l'eau. Ok, là on sait où on est, du coup. Ok, non, bah, franchement elle est bien. Déco bien sympa. Elle paraît grosse, hein, maintenant. N'empêche, hein. Elle paraît grosse. Bah, franchement, c'est cool. Donc, s'il n'y a pas de map plus intéressante ou tout autant intéressante qui sort d'ici à ce qu'on ait fini la map Elm Creek, on viendra probablement sur celle-là. Ok, et eh bien du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la présentation vous aura plu. Présentation découverte, hein, bien sûr, comme d'habitude. Et on se retrouve ce soir pour le live. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée si vous êtes à la vie de la soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.